c'est pas le cas ici. You do it. Doing this. Ouais, je suis monté en l'air. Par contre, c'est grave. Hein. À chaque fois, on se fait attaquer par deux. Incroyable. Wesh les gars, c'est quoi? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter à nouveau mes paramètres. J'avais déjà fait une vidéo il y a un mois à peu près où j'avais présenté mes paramètres, mais j'ai changé quelques petits trucs. Du coup les gars, vous allez aller dans paramètres. Donc pour la zone blanche minima du joystick du gauche et droit, je me suis mis en 0.08. Donc après ça dépend de chacun. Zone blanche maximale, ça je sais pas c'est quoi, j'ai laissé en défaut, donc 0.99 et pareil pour le droit. Sensibilité des joysticks, je suis à 15. Donc je suis à 15. Sensibilité personnalisée pour 5 zooms, ça c'est pour les snipes. Du coup pour le quart de Modern Warfare, je suis à 1.20. Et pour le quart de Vanguard, je suis à 1.10. Donc voilà, j'ai changé ça. Après, type de courbe de réponse de visée, j'ai laissé en standard, vibration manette avec. Après, aide à la visée standard, tout ça. Donc après, ça c'est... Voilà, ça c'est grave important les gars. Paramètres utilisés rechargés, il faut mettre commande contextuelle. Changer d'arme automatique, j'ai mis avec perso. Paramètres de plaque d'armure, j'ai mis tout utilisé. Paramètres de glissade appuyé, comme ça vous n'avez pas besoin de maintenir votre touche pour glisser. Donc sprint tactique, appui en courant, ça les gars c'est le truc le plus important des paramètres. Sprint automatique, il faut mettre le sprint tactique automatique comme... Donc ça les gars c'est le paramètre le plus important. Le sprint automatique, vous devez mettre sprint tactique automatique, c'est le truc le plus important. Comme ça vous avez juste à pousser le joystick et votre perso il avance. Après ça, caméra, véhicule, tout ça j'ai laissé truc. Donc graphisme, bon il n'y a rien qui change, juste mis en qualité standard. Ça bon après je connais pas trop. Interface, bon ça on s'en fout. Audio, j'ai mis perso volume général, je suis à 55. Et après volume du chat vocal, après ça dépend, vous réglez vous. Et surtout les gars, ce que j'ai oublié, c'est en commande Battle Royale, je suis en soit à la gâchette tactique. Donc ça veut dire que je saute avec L1, je m'accroupis avec R3. Donc du coup voilà les gars, c'était quoi, j'espère que la vidéo vous a aidé et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.